Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau test en vidéo. Donc après le test du premier Outacos en Algérie, cette fois, j'ai décidé de vous emmener avec moi pour qu'on teste et découvre ensemble le premier distributeur de pizza. Kimala Kuchufu, on se trouve au niveau d'Alger Centre, donc pas loin de la Grande Poste. Et là, on va en direction du Parc Sofia. C'est parti, je vous emmène avec moi. Une fois que vous êtes à l'intérieur du parc Sofia, donc c'est impossible de le rater, il se trouve à votre droite, donc il est assez grand, fast pizza, et les pizzas sont prêtes en 3 minutes. Alors ça ressemble beaucoup à un distributeur de banque, on dirait pas qu'il y a des pizzas qui vont sortir d'ici, donc j'ai hâte de l'essayer. Place maintenant aux pizzas, donc l'aspect le plus important. Pour passer commande, vous avez un écran tactile assez simple d'utilisation. Donc vous avez la pizza margarita à 250 dinars, la pizza végétarienne à 400 dinars, ensuite celle au poulet qui est aussi à 400 dinars, celle au thon, toujours le même prix, et enfin la 3 fromages donc, qui fait 300 dinars. J'ai l'impression que c'est un peu les mêmes prix que dehors. Alors me concernant, j'hésite beaucoup entre celle aux 3 fromages et au poulet, mais finalement j'ai choisi de prendre celle au poulet pour bien pouvoir tester une vraie pizza. Ensuite, vous mettez donc l'argent comme un distributeur normal et vous attendez 3 minutes. Au bout d'un peu plus de 3 minutes, donc vous avez un bruit qui commence à sortir de la machine. On a l'impression qu'il y a quelqu'un au widget de la pizza à l'intérieur, alors que pas du tout. Et ça sent super, super bon. Donc voilà, vous avez une boîte blanche assez simple, il n'y a rien écrit dessus, même pas fast pizza. Et en fait, on est super curieux de voir ce qui se cache à l'intérieur. C'est le moment de vérité, le moment de découvrir la fameuse pizza. Alors visuellement, elle a l'air vraiment très bonne. Quoique, un peu de fromage, je sais pas si vous pouvez le voir, mais sur les côtés, chouïa nechfa. Mais sinon, pour le fromage, déjà ça sent bon. Et on a l'impression que c'est du vrai fromage, mais j'ai le fromage un peu chimique qu'on peut retrouver ailleurs. Donc ça, c'est un très bon point. Pour le poulet, donc du coup, c'est les morceaux blancs que vous voyez, avec des oignons, du fromage, donc une pizza normale. Pour le goût, parce que c'est le plus important, alors franchement, elle était super bonne. Le fromage était de qualité, donc ça, c'est vraiment un plus pour une très bonne pizza. Mais le problème, c'est que sur les côtés Kenchuya Neshfa, donc j'ai l'impression que la garniture n'était pas bien répartie, donc ça, c'est pas top. Sinon, pour le poulet, il y en avait assez, le fromage, les oignons. Au goût, c'était vraiment très très bon. Voilà, c'est déjà la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. J'espère que Ajbetkom, en tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo qui arrive très très vite. Et en attendant, prenez soin de vous et à très bientôt sur Testo Resto.